Une question polémique à présent. Le maintien du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier a-t-il contribué à l'épidémie de coronavirus? Le lien n'est pas prouvé, mais plusieurs assesseurs ont contracté le Covid-19. Nous sommes en direct avec David Bailleul, maire réélu de Coudekerbranche dans le Nord. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous dites ce soir que la moitié de votre liste est touchée par la maladie. Bonsoir. Effectivement, aujourd'hui, j'ai 17 élus sur 35 qui sont directement ou indirectement touchés. 10 élus qui sont en confinement médical chez eux après avoir eu un diagnostic de leur médecin traitant. 5 élus qui ont été testés parce que leur pathologie ou bien leur métier leur permet d'être testés. Ils ont donc été testés positifs. Et 2 élus qui étaient hospitalisés, donc testés positifs également. L'une des deux est sortie, le deuxième est toujours à l'hôpital. Alors après avoir entendu toutes ces nouvelles inquiétantes, vous avez réalisé que tous avaient participé au même bureau de vote, c'est ça? Vous pensez qu'ils ont été contaminés par un électeur? Non, 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 attention, Coudekerque-Branche est une grande ville, 17 bureaux de vote dans la ville, et donc les élus tenaient plusieurs bureaux de vote différents. Ils n'étaient pas tous dans le même bureau de vote, hein. Donc ça signifie qu'il y avait effectivement peut-être eu contamination, mais pas sur un bureau de vote en particulier, mais sur plusieurs. Puisque sur 35 élus présents, il y en avait deux par bureau de vote. D'accord. 17 bureaux de vote multipliés par 2 égale 34 élus. Est-ce que les gestes barrières, les précautions sanitaires, à votre connaissance, ont été parfaitement respectés dans tous vos bureaux? Parfaitement respecté, je peux vous le garantir. Je tenais personnellement le bureau numéro 1, le bureau de l'hôtel de ville. J'ai fait le tour de tous les bureaux de vote au milieu d'après-midi pour m'en assurer. On a mis tous les moyens en place. Le Alors. gel hydroalcoolique, les mesures barrières, la distanciation d'1 mètre. On a même été plus loin que ce que nous préconisait l'État, puisqu'on a accroché les rideaux des isoloirs pour permettre aux gens de ne pas devoir les toucher en rentrant dans l'isoloir. Le rideau était accroché de manière à ce qu'on Monsieur le puisse maire, passer, mais qu'on ne puisse pas voir ceux qui ont voté. le président de la République assure que le comité scientifique lui avait dit qu'on pouvait tenir ces élections. On sait aussi que des élus, nombreux, des républicains notamment, s'opposaient à un report. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez à quelqu'un? Non, non, moi je ne suis pas du tout dans la polémique. Je voulais témoigner du fait que les élus de Coudekerque-Branche, mais comme des caissières, comme des magasiniers, comme des soignants, comme des aides-soignants, comme mes personnels communaux sont en première ligne. Et on se rend compte aujourd'hui que, effectivement, si la démocratie n'a pas de prix, elle a un coût, et ce coût, c'est un coût sanitaire. Les mots sont forts néanmoins. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce témoignage ce soir sur France 3 Hauts-de-France.